Oui, tu vois, c'est comment? Comme ça. Tout le temps, ouais. Non, c'est par rapport à Nîmes. Moi, une discussion de règle du jour, voilà. Maintenant, mes idées sont vraiment claires. Là, j'ai... Non, là, c'est dit déjà, j'ai quand même... J'ai créé le projet. On va intituler ça qui la longueur. Oui, qui la longueur. Donc, j'ai tout écrit. Donc, Nini, il faut colloquer une autre personne, une troisième personne. Et puis, moi, je ne vais pas tout expliquer. C'est Esa Moulaye. Comme ça, vous, Nini, la troisième personne qu'on va se rencontrer, n'a expliqué bien comment j'ai écrit, comment j'ai conçu le projet, ainsi de suite, et les étapes. Donc, j'ai vraiment pensé à tout, mais j'aimerais que. Maximiser les idées, décider pour que nous puissions arriver à réaliser ce programme. Donc, je suis en train de me dire, on est à Kinshasa. Kinshasa a tellement de choses à raconter, Chaque fois quand je quitte la maison pour venir au bureau, ce parcours-là m'enseigne beaucoup de choses. Mais il ne faut pas aussi ramasser toutes les histoires comme ça et se dire, voilà, excusez-moi. Ouais, Mouvouba. Non, attends, sérieux. 12 longs métrages. Ça va, ok. Je vais essayer d'être là. Bon, je veux être là. Ouais. Merci beaucoup. Clarisse Mouvouba. C'est une amie de très longue date. J'ai été avec elle dans le même auditoire, Alina. On a passé tous les gradués ensemble. Je la connais bien, j'ai eu à travailler avec elle, je l'ai appuyée dans beaucoup de choses aussi. Elle aussi également, elle m'a appuyé dans beaucoup de choses. Mais personnellement, moi et elle, on n'a pas eu de soucis directs. C'est que je trouve pas trop intéressant chez elle, c'est que elle a toujours raison. Là, moi j'ai deux autres projets. Salut. Ah. Quand on parle du loup, ça va? Oui, ça va, mon cher. Ah, ben j'ai éteint. J'ai appris que je pense aussi que c'est quelqu'un de qui est très, très, très amoureux du cinéma. Et c'est toujours très important de travailler avec des gens comme ça. Même si, d'une manière générale, je pense qu'il a un sang chaud. Et que, ben voilà, il peut vraiment bousculer, mais pour l'intérêt du projet, hein, il est prêt à tout bousculer pour y arriver. Voilà, je pense que c'est quelqu'un de très important sur ces projets, qu'avec lui, on va quand même avoir aussi d'autres partenaires, et surtout qu'il a déjà l'expérience d'avoir pu travailler avec beaucoup de partenaires qui pourront être utiles pour, sur ces projets. Tu pensais que la galanterie là, c'était seulement l'affaire des femmes? Non, non, ça va pas. Tu l'as pas trouvé? Chopper, c'est un gars bien, abordable, intelligent, surtout bosseur, entrepreneur, il toque partout quoi. Mais seulement la seule chose que, donc moi je dirais j'aime bien l'éviter, c'est parce qu'il a un peu un langage facile, ça veut dire moindre problème, il peut t'insulter si facilement et ça,
Insulter, c'est un peu trop dit, mais hein, c'est simple pour lui de te rabaisser. Et moi, ça, c'est quelque chose que je digère difficilement. Si, depuis 11h. Donc, tu as quand même tes libos, 11h. Tu peux aller 30 minutes après, et toi, 3h après, à tes minimum, 3h après, à tes minimum. Non, excusez-moi. Hein? Si en on fait, comprend les choses problème... dans la sérieuxté, tu connais ni Moussala, ça c'est 12 longs métrages. Vous imaginez? 12. La 12 ouana, il faudrait vraiment ni qu'on respecte le temps. Si on ne respecte pas le temps, ça dit ça tirera en longueur. J'étais obligé de passer à un cyber, prendre un peu les propositions de tout ce monde-là qui a envoyé. Je ne pouvais pas débarquer sans quand même sans le travail, voilà, sans les éléments. Ça, donc, c'est un truc qui devait se faire depuis il y a 3 jours, papa. Ça, c'est pas une raison. C'est vrai, on cherche l'argent. On cherche comment gagner la vie, on cherche comment se battre. Mais on a la volonté de faire notre boulot. Je me suis... Vraiment, je vous dis sans blague, j'ai fait le pied des bandas là ici. C'est pas facile. Du moins, accepter quand même cet effort-là. Dans une semaine, il faut que ça soit scénariste, surtout, pour déjà approcher au salle. Donc, une semaine, nous avons ça pour que les auteurs puissent vraiment développer l'idée. Ouais. L'idée, on a aussi les scénaristes et on discute ensemble. Ouais. Pour ça, il faut 2 journées. Deux journées, on a les gens, c'est du matin au soir. Donc, on doit assurer le transport des scénaristes et des auteurs. On doit grignoter parce que c'est du matin au soir, donc il faut manger. Et d'où il faut budgétiser. Ça m'a fait 70 dollars le jour. Bon, dérangez la terre. J'avais un petit problème. Mm-hmm. C'est que le téléphone que j'utilisais là. Je suis en retard. Hein. Le téléphone que j'utilisais était. Bon, je l'avais oublié dans le taxi. Et ce qui fait que je viens de me trouver ce petit téléphone. Alors, c'est comment? J'ai quand même des petits trucs que j'ai essayé de prendre là. Il y a quelques personnes qui m'ont envoyé aussi des scénarios. Il fallait qu'on fasse la combinaison et tout ça. Mais toi, tu es pressé, tu sors. Il fallait qu'on prenne, comme on a commencé la chose à 3, il fallait qu'on prenne la décision à 3. C'est pour ça qu'on a insisté pour t'appeler, mais tu ne décrochais pas. Et qu'on était obligé, comme c'est urgent, on était obligé de prendre une décision. Donc, il voulait assez que tout mon corps était Belgique pour faire une formation. Donc, il y avait plusieurs domaines, il fallait choisir. Et bon, comme moi, il y a le festival, il y a la production de ma série, donc Chopper n'a pas grand-chose, il vient d'accord. Okay. Moi, je me suis expliqué, Chopper s'est expliqué, toi, tu t'es pas expliqué, du coup, la décision, bon. Non, mais je vois que tu es pressé et puis je t'empêche de sortir et tout ça. En fait, c'est pas le voyage qui est important, mais c'est seulement pour moi. Je sais pas si on n'a pas la même façon de réfléchir. Pour moi, si j'étais parmi vous, hein, j'allais choisir celui qui n'est pas là. Bon, anyway. Donc, ma cambo explication exacte. Waouh, courant. On est à Kin. Prochaine étape. Jimmy m'a fait part de. Donc, il était sincère. Hein?
Et puis si vraiment on veut qu'il puisse produire un bon travail, il faut une avance. Non, parce que moi je me dis, bon, tu refuses de venir travailler sur un projet au Mbongwezate. Tu refuses, n'est-ce pas? Tu restes chez toi, tu ne fais rien. Finalement, rien ne s'est fait aussi. Alors que si tu prends la bonne volonté de venir travailler sur un projet où il n'y a pas d'argent, sachant que ce projet va peut-être générer l'argent plus tard, tous on est gagnants. Est-ce qu'on peut se dire, ok, la minute on se donne même un mois, on cherche, on dit au scénariste de commencer. Nous, un mois là, on cherche pour faire une avance. L'idée de pouvoir se donner du temps pour chercher du fonds, et puis après, reverser dans une caisse commune qui va permettre à ce que nous puissions non seulement payer les scénaristes, mais aussi faire, ne fût-ce qu'une bande d'annonce, un trailer qui va nous permettre de pouvoir chercher des fonds pour notre projet. Je pense que c'est une bonne idée. Hein? C'est une bonne idée. Ça dit aussi l'argent, parce qu'il faut engager. Oui, mais pas beaucoup d'argent. Ça ne va pas engager l'argent de 9 projets, de 9 scénaristes. Oui, et l'argent, là, on va le trouver où? On cotise. On cotise comme d'habitude. On revient cotise à la case du départ. Non, mais on cotise en se donnant du temps. Une décision demande parfois plus que le sens de responsabilité. La viande des serpents. Prends et mange. Regarde, on est tout nus. Comment? Comme ça. Tout le temps,